Et bonjour à tous, c'est Lucie Joseph et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans ma peau un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui nous allons tourner des vidéos avec Nash Bifit. Donc je vais en profiter pour lui faire une petite interview, voilà, pour lui poser quelques petites questions, notamment sur son parcours. Voilà, je sais qu'il a un parcours hyper atypique, il est passé par plein d'épreuves et j'avais vraiment envie de pouvoir lui poser quelques questions par rapport à ça. Il est actuellement 6h30, nous allons prendre le train. Oui, 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 il est très très tôt. Et toi, tu vas prendre le train aussi? Tu vas aller à Paris. De Paris? Avec papa? Super. Tu fais un gros bisou à tout le monde? Bon, il est un peu tôt, la pauvre Nini. Elle s'est réveillée en même temps que moi. Donc un peu dur. Ah, je vais vous montrer ma petite tenue du jour quand même. Alors du coup, c'est une petite tenue de chez Bershka. Bon, après j'ai mis des buffalo dans le bas. Un petit haut comme ça, corset et le pantalon. Donc tout vient de chez Bershka. Voilà, j'aime trop ce style année 2000. Ça me plaît trop trop trop. De joyeux, joyeux. À demain. Demain. Allez. Allez, on va prendre le métro et après direction le train. Moi, je n'ai pas de voiture, comme vous le savez. Bon, des fois, je prends des Uber, ça peut m'arriver. Mais franchement, je suis trop une meuf du métro. Bon, je trouve ça super pratique. C'est vrai qu'à Marseille, les Marseillais sont pas trop métro, sont beaucoup plus voitures. Mais j'ai pris cette habitude-là quand j'habitais à Paris, en fait. Même quand t'as une voiture, tu mets beaucoup moins longtemps en métro qu'en voiture. Mais c'est un enfer. Je vous encourage, la team, même si vous avez le permis, essayez de prendre un peu plus les transports. Vous allez être plus rapide et c'est quand même un petit plus pour la planète. Ça y est, bien arrivé à la gare. J'ai pris mon petit Starbucks, comme d'habitude. Moi, je prends toujours un café latte lait d'amande avec un sirop noisette sans sucre. Je vais vous montrer la vue qu'on a de la gare de Marseille parce que franchement, c'est assez exceptionnel. Selfish decisions, couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad proof, karma is a bee. We all do bad things when it comes. Bon, ça y est, je suis dans le taxi, la team. Je vais aller voir Nage. C'est parti. Let's go, bien arrivé à Lyon. Bon, le taxi m'a abandonné parce qu'il y avait trop de sens interdit et tout, donc il faut que je fasse le reste à pied. On va y arriver, j'ai très envie de faire pipi en plus. Donc ça, c'est horrible, je me languissais d'arriver pour pouvoir faire pipi. Là, je me retiens, périnée serré comme Jaja. Mais ça va le faire. Il a dû venir me chercher. Un beau gosse comme ça, de loin, là. Non, en vrai, grâce à toi, je me sens moins seul parce que moi aussi, je me suis perdu quand je suis arrivé. Ça va? Hello, you won't if you know, then you know. And if you don't, then you don't. Bon, on a été productif ou pas? On est toujours productif. Bon, bah, comme vous le savez, du coup, on se retrouve avec Nage pour une petite journée de tournage. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours? Parce qu'on en avait un peu discuté et je trouvais que tu avais un parcours intéressant parce qu'il est hyper atypique. C'est, t'as pas un parcours lisse, parfait, tu vois. Il y a eu plein de... Ouais. D'embûches sur le chemin, ouais, et ouais. En fait c'est intéressant parce que tu vois des fois t'es dans des moments de ta vie où tu te dis putain qu'est-ce que je vais faire de ma vie, genre ouais. C'est impossible, je vais jamais m'en sortir, regarde où j'en suis. Et ça peut grave donner de l'espoir de savoir que bah c'est pas parce que t'es passé par un chemin que tu peux pas en emprunter un autre. Non, ça c'est clair, la partie elle est jamais finie. Bon, à l'heure actuelle j'ai 34 et j'ai fait les pires choix possibles et inimaginables jusqu'à 30 ans. Chose qui d'ailleurs, parenthèse, c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gamins de 22, 23 qui pensent qu'ils sont finis et qui me disent non mais ça y est, en gros j'ai raté le coche. Gros, t'as 23 ans, ça veut dire que même si tu continues à faire de la pendant encore 7 ans, arrive à 30 ans, t'en seras au même stade où moi j'en étais à 30 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, après en soi, c'est dur de résumer ça en quelques secondes. Mais ouais, en gros, quand je dis tous les pires choix possibles et inimaginables, et ben, ça inclut les choix au niveau social, au niveau professionnel, au niveau choix de la direction que je prenais de façon globale. Arrivé à 30 ans, j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit soit tu continues à faire ce que tu fais, et dans ce cas-là, ouais, effectivement, tu vas avoir une vie très courte et très néfaste, soit tu changes la donne. Ouais. Et du coup, et ben, je me suis dit ok, je vais changer la donne. Et c'est à ce moment-là où, si tu veux, commencer à prendre le fitness sérieusement de façon professionnelle. En gros, je commençais à ne plus le voir seulement comme une passion, mais même comme quelque chose qui pouvait justement m'ouvrir des débouchés. Donc, bah, je me suis jeté corps et âme dedans depuis 4 ans. Et bah, depuis 4 ans, ça avance bien.
Trop cool. Ah bah, tu sais, ça avance très très bien. Surtout ta chaîne YouTube. Je trouve que là, vraiment, ces derniers temps, ça a pris vraiment une ampleur importante. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu arrives toujours à faire des sujets un peu touchy. Il y a toujours une bienveillance dans ton discours, certainement dû à ce parcours qui a été semé d'embûches, qui fait que t'es jamais dans le jugement, t'es pas... Bah, tu vois, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on va te dire, tu vas jamais avoir une mauvaise pensée, en fait. Bah, la raison à ça, c'est que si tu veux, je suis typiquement la personne qui pourrait le plus être jugé au monde. En termes de décision que j'ai prise, s'il y a quelqu'un qui doit être jugé, c'est moi. Et en fait, une des choses qui a fait que j'ai réussi à changer la direction de tout ça, c'est le jour où j'ai moi-même arrêté de me juger, en fait. Si tu veux, j'avais toujours eu un regard super négatif sur moi-même, et en gros, voilà, t'es qu'une tu vas jamais rien faire, etc. Et la seconde où j'ai un peu appris à faire la paix avec ça et comprendre mes erreurs et arrêter de me juger et de me voir comme un raté, et la seconde où justement j'ai réussi à pouvoir avancer, me sortir de tout ça. Donc en fait, ça m'a permet plus ou moins de comprendre que le manque de jugement, c'est justement ce qui permet d'avancer. Par exemple, s'il y a quelque chose que toi tu fais qui me plaît pas, une des pires manières de te faire changer cette chose, c'est venir te culpabiliser, te le reprocher. Alors que justement, en te comprenant et en te mettant dans un environnement où justement toi tu te sens comprise, et dans ce cas-là, ok, bah, ça mérite d'écouter ce qu'il a à me dire. Là déjà, on est sur une bonne direction pour que tu changes cette chose que j'aime pas que tu fasses. Ouais, tu vois. Exactement. Et donc en gros, même, et c'est un peu la philosophie que justement je ramène dans mes vidéos, qui est que même si jamais je veux faire changer les gens vis-à-vis de quelque chose, je sais que la meilleure manière de le faire n'est pas de leur crier dessus, de les pointer du doigt, de les culpabiliser. Ouais, exactement. Donc, vu que ma démarche est de faire évoluer la manière dont les gens pensent en toute humilité, bah, je le fais avec ce qui est selon moi la meilleure manière de le faire, en fait. Mais toi, vraiment, ton déclic, ça a été la pratique sportive ou il y a vraiment eu un truc Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je sais que c'est le parcours de plein de gens, pour moi, ça n'a pas été le cas du tout. Ouais. Dans le sens où ma pratique sportive, oui, j'ai fait du sport toute ma vie, mais je fais de la musculation depuis 2012. D'accord. Donc, ça fait même 11 quasiment, donc ça fait 12 ans. J'ai commencé, donc j'avais, il me semble, 22, et de mes 22 à mes 30, j'ai cumulé pratique sportive intense et hygiène de vie complètement à la ramasse, tu vois. Donc donc t'es arrivé quand même à t'entraîner malgré tout. En gros, c'était le seul truc où j'étais à peu près bon dans ma vie, en fait. Tout le reste n'allait pas, mais quand j'allais à la salle, c'était t'avais mon cette stabilité là voilà. Sinon tu serais peut-être allé plus bas, quoi. Facile. Et on va dire que donc 8 ans de pratique n'ont pas fait que j'ai changé quoi que ce soit au reste de ma vie. Donc dans mon cas, je sais que ça l'a été pour plein de gens, dans mon cas ça n'a pas été le déclic. Non, le déclic, ça a tout simplement été que vers la fin, j'en suis arrivé à un stade où en fait j'avais tout maximisé en termes de négatif. Ça veut dire que mes addictions, je les avais maximisées à un stade où si j'allais plus loin, c'était un suicide à petit feu. D'accord. Le manque de volonté de faire des choses professionnelles, je l'avais maximisé à un point où si je le poussais plus loin, je finissais SDF. En fait, c'était juste une réalisation où ok, tu continues dans cette direction, bah là, ça y est, tu rentres dans un mur. En fait, des fois, t'as besoin de tomber très très bas, même au plus bas, voire remonter, mais même que ce soit dans une relation, que ce soit, tu sais, des fois t'as besoin qu'on te mette genre au plus bas du plus bas du plus bas pour vraiment que ça te foute une claque et que tu dises que je réagisse, en fait. Tu peux rarement réaliser à quel point t'es fort jusqu'au jour où t'as plus d'autres options que d'être fort. Ouais. Tu vois. Quand c'est ok, soit je suis fort, soit je m'écroule, je vais pas m'écrouler, donc je vais être fort. Et justement, tu nous disais par rapport à tes addictions, ça a duré combien de temps? Ça a duré 7 ans. Et tu regrettes un peu cette partie de ta vie? Non, parce que tout ce que j'ai accompli, c'est ça vient de ça. Et je suis pas en train de dire qu'il faut passer par ça. Mais attention. Non, et au contraire. Et je vous recommande même de ne pas passer par ça, parce que en ce qui concerne les addictions, je suis une success story. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis un cas sur un million, je suis un miraculé. Donc tous les gens avec qui je faisais ça à l'époque, ils en sont pas où j'en suis maintenant. D'accord. Dans le meilleur des cas, je vois de loin et ça se passe mal. Dans le pire des cas, ça se passe encore plus mal. Tu vois. Ouais. En ce qui me concerne, c'est juste que ça m'a permis de réaliser que j'avais une personnalité de type extrême, en fait. Si tu veux, je suis quelqu'un qui vais, quand je vais prendre part à quelque chose, je vais prendre part à cette chose beaucoup, à 1000%, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Donc quand j'avais des addictions, je nourrissais beaucoup ces addictions. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que je suis le type de personne qui pourrait jamais avoir une vie simple, tu vois, où je vais au taf la journée, le soir je rentre, je regarde une série et je dors et rebelote. Ça veut dire que toute ma vie, je vais devoir être à fond dans quelque chose. Maintenant, la seule question à se poser, c'est est-ce que ça va être une chose bonne, une chose mauvaise. C'est pour ça qu'actuellement, ce dans quoi je suis à fond, c'est ma pratique sportive et ma vie professionnelle. Je fais beaucoup de vidéos, j'entraîne beaucoup de gens. Ça me prend énormément de temps, mais ça me permet d'être à fond dans quelque chose. En fait, t'as besoin que ton esprit soit tout le temps occupé, j'ai l'impression. Il faut qu'il soit canalisé. Okay. Il faut que je me canalise. Je peux pas... En gros, ce que la plupart des gens appelleraient une vie simple, en ce qui me concerne, c'est un truc qui est même pas au programme, en fait. Ouais, je pourrais pas avoir cette vie simple. Je sais que ça convient à beaucoup de gens. Dans mon cas, je dois avoir une vie intense. C'est juste comme ça. J'ai toujours vécu des expériences intenses. J'ai fait le tour du monde et vécu. Et ça a toujours été intense et prenant. Tu vois, et c'est une chose que justement cette période avec les addictions m'a permis de comprendre. Elle me l'a fait comprendre de la mauvaise manière, mais au final, elle me l'a
m'a fait comprendre. Et ce qui fait qu'en fait, des fois de te pousser dans les extrêmes, en fait. Voilà, j'ai une personnalité extrême. Et maintenant que j'ai appris à la canaliser dans une bonne chose, ça fait que j'arrive à avoir de la reconnaissance dans ce que je fais. Ouais. C'est le fruit d'un travail acharné qui est un peu un effet secondaire de ma personnalité, en fait. Donc voilà, ça m'a permis de me dire, bah maintenant tu dois rediriger ça quelque part. Ok, redirige-le dans un des trucs et au moins tu vas accomplir quelque chose. Ouais. Donc voilà, puis de façon générale, ça m'a aussi, comme tu en as parlé plus tôt, ce truc de ne pas être dans le jugement. Pourquoi je jugerais tes erreurs alors que moi j'ai fait pire? Bien sûr. Tu vois, même si c'est des erreurs différentes, ça reste le même rapport. Par exemple, je vais avoir beaucoup de discours où je parle de l'alimentation, de l'obésité, etc. On dit souvent tu juges pas les gens obèses. Et je fais tout simplement parce que ce qu'elle est en train de lutter avec son obésité, c'est ce que moi j'ai lutté avec mes habitudes. Bien sûr. C'est juste. Complètement. C'est la même chose, hein, au final. Voilà, entre guillemets, on livre un combat contre un ennemi différent, mais le combat, il est le même. Donc ouais. Moi, je l'ai perdu pendant 7 ans, ce combat. Comment moi, je vais arriver à moraliser une personne alors qu'elle fait exactement ce que moi j'ai fait, juste dans un contexte différent? Surtout qu'on peut être aujourd'hui une personne saine, droite, carrée, n'avoir jamais touché à rien ou à ne pas avoir de troubles particuliers. Et demain, bah, en fait, on peut très bien basculer. Mais n'importe qui, moi, je suis convaincue de ça, à n'importe quel moment, il suffit d'avoir un événement marquant dans sa vie. On a eu un souci technique, donc on a dû utiliser notre caméra. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas surpris. Ouais, donc ce que je disais, c'est que ça peut vraiment toucher n'importe qui. C'est-à-dire que demain, il vous arrive, je le souhaite à personne, mais un truc très très grave, et vous vous retrouvez à fréquenter des gens d'un certain milieu, ou tout simplement, tu sais, t'as un moment de faiblesse dans ta vie, t'es un peu moins raisonnable, t'as envie de plus t'évader, parce que je le vois depuis le Covid, il y a beaucoup de gens, enfin moi, j'en vois, qui tombent dans des extrêmes par rapport à avant. Je trouve que vraiment, on sent que les gens ont plus besoin de faire la fête, de se vider la tête, de, tu vois, et tout ça fait qu'au début, ah, c'est rien, c'est pas grave, un petit peu. Et après, on peut vite tomber dans un truc, un cercle vicieux, et ça peut arriver à n'importe qui. Donc moi, je pense qu'il faut être vraiment vigilant tout le temps, tout le monde, et de faire attention à qui on fréquente, en fait, surtout. Que c'est en ça. Fait, c'est tellement multifactoriel. T'as les gens que tu fréquentes, t'as les événements de la vie qui peuvent t'arriver, t'as l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. En fait, c'est tellement de facteurs que c'est pour ça qu'il n'y a jamais un cas qui est spécifique. C'est pour ça que même en vidéo, il m'arrive assez fréquemment d'attaquer le même problème sous différents angles. Parce que je me dis, ok, sur cet angle-là, ça va parler à telle personne, mais pas à telle personne. Donc maintenant, telle personne, si j'aborde sous cet angle-là, parce qu'en fait, il n'y a jamais deux parcours qui sont différents. Par exemple, on parle des addictions, tu peux jamais dire à une personne, ok, lui, il a des addictions parce que, tu vois, c'est un mélange de plein de circonstances qui sont mises ensemble, qui ont eu comme résultat son addiction. Idem pour une personne qui est obèse. Tu vois, par exemple, tu as beaucoup de gens qui vont avoir le discours simpliste, non, mais si t'es gros, c'est parce que t'es... En fait, tu peux pas dire cette personne est obèse parce que, tu vois, encore une fois, c'est tellement multifactoriel, et t'as tellement de choses qu'en fait, l'essentiel, c'est vraiment d'essayer de te comprendre, toi, en tant que personne, et de comprendre toutes les choses qui font que là, à l'heure actuelle, tu fais ce que tu fais, tu es ce que tu es. Et c'est jamais une seule chose, c'est vraiment multifactoriel. Et plus tu te comprends, plus t'arrives justement. Ouais. Bah, c'est les émotions, en fait, là. Que ce soit toutes les drogues, l'alcool, la nourriture, c'est une façon d'anesthésier ses émotions. Et donc, on a un trop-plein d'émotions qu'on a vraiment besoin de canaliser. Donc, il y en a qui vont réussir dans leur vie quotidienne à le faire, il y en a qui vont avoir plus de mal. On n'est pas tous à la même échelle, on a des sensibilités aussi toutes très différentes. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'hyper émotif, tu vois. Alors que tu vas regarder la même vidéo que moi, tu vas pas te mettre à pleurer parce que tu auras pas, peut-être pas, cette même émotion. Et donc, pour gérer cette émotion, des fois, bah voilà, soit on va prendre des antidépresseurs, soit. Mais en fait, tout ça, pour moi, c'est les mêmes vecteurs, en fait, c'est juste que c'est des voies différentes. Et quand tu vas manger, on va moins te pointer du doigt que si tu te fais une ligne de C, quoi. Voilà, parce que bah forcément c'est quelque chose qui est plus reconnu, on va dire. Voilà, de manger, tu vas pouvoir trouver de la nourriture partout, au supermarché, etc. Donc ça aussi c'est plus dur pour les personnes obèses, c'est que c'est comme si toi bah t'avais des produits de partout dès que tu te baladais, tu vois. C'est là où il y a une difficulté aussi des fois, c'est pour eux, c'est tout le temps la tentation, elle est tout le temps. Alors que toi tu vas te couper d'un milieu personnes, t'as très très peu de probabilité de te retrouver au milieu de personne retrouvée dans mes placards. Voilà. Quoique à une certaine époque. Mais oui, non, je vois, c'est des difficultés qui sont différentes. Même si après, quand t'es dans les addictions, tu vas réussir à trouver. Oh oui, tu vas trouver. Où que tu sois. Il n'y a pas de parcours parfait pour atteindre un certain niveau. Et à la fois, c'est pas parce qu'aujourd'hui, si vous nous regardez, vous êtes dans le moment de votre vie, peut-être le pire à tous les niveaux. Bah, demain peut en être autrement, en fait. Ouais, et surtout, ce moment pire, ça peut être le tremplin vers ton moment meilleur, en fait. Ouais. Là, honnêtement, ça, c'est un truc dont je serais convaincu
convaincu toute ma vie, c'est que tout ce que j'accomplis maintenant, c'est un produit, c'est un effet secondaire de tout ce que j'ai vécu avant et que sur le coup était douloureux, mais qu'aujourd'hui je me dis mine de rien, sans tout ça, je ferais pas tout ce que je fais. Parce que même en termes d'état d'esprit, en termes de connaissance de moi-même, en termes de persévérance, etc. Donc faut jamais voir un moment négatif comme une finalité. Il faut toujours se dire que ce moment négatif peut justement te rendre service par la suite. Donc c'est juste à toi de comprendre pourquoi tu es dans ce moment négatif, comment en sortir et quoi en apprendre. Super intéressant. Et juste une dernière question. Pour t'en sortir, t'as dû vraiment genre t'occuper, faire plein de choses, mettre en place vraiment des outils. Ou est-ce que tu t'es fait aider? Enfin, comment ça s'est passé? Je me suis pas fait aider. Pour moi, aujourd'hui, je le vois un peu comme une erreur. Parce que je pense très sincèrement que si j'avais fait cette démarche, ça aurait pris moins de temps que ce que ça a pris. D'accord. Ah, et c'est un truc dont j'ai parlé un milliard de fois en vidéo. C'est absolument pas un truc qu'il faut être réticent à faire. Si jamais tu sens que t'as besoin d'aide, demande de l'aide. Ouais. Vraiment. Et moi, personnellement, c'est un regret que j'ai, principalement, je pense, par orgueil, de me dire je peux m'en sortir tout seul. Ouais. Alors qu'au final, ben non, alors ça fait 7 ans que t'essayes et tu vois, t'as pas géré. Donc, même si je l'ai pas fait, je pense que ça reste une super bonne démarche. Mais dans mon cas, non, ça a surtout été, comme je te l'ai dit, de me mettre corps et âme dans autre chose. Tout ce que je donnais à ces mauvaises choses, je l'ai pris et je l'ai donné à des bonnes choses. Donc, de là, j'ai dit, ok, tu vas faire une chaîne YouTube, tu vas faire des vidéos, t'as des idées, t'as envie de les partager, t'as envie de. Et boum. Et quand je me suis mis dedans, en fait, il n'y a pas eu d'effet boule de neige où ça a été progressif. C'est dès le début, j'ai frappé fort, en fait. Genre, dès le début, j'ai Dès le début, j'ai tout arrêté et j'ai eu un rythme effréné dès le premier jour. Ouais. Tu vois, et c'était pour moi la seule manière de le faire, parce que si je l'avais fait à un rythme moins intense, j'aurais été entre deux chaises, entre ça et le reste. Et moi, je voulais être à fond là-dedans, donc dès le début, en fait, ben ça a été limite toute ma vie. Ok, je pense que là-dessus, t'es vraiment fort, ou des fois, tu peux avoir des petites envies de rechute avec l'été, tu vois, il y a beaucoup plus de tentations, par exemple, les festivals. Maintenant, moins, parce que ça commence à faire longtemps, là, j'arrive. Je suis à ma troisième année de sobriété, tu vois. On va dire que la première année, beaucoup. En fait, la première année, c'était surtout, j'allais juste pas en soirée, tout simplement. Parce qu'en fait, j'arrive en soirée, je me disais, mais je fais quoi là? Enfin, tu sais, c'était genre. En fait, faut garder à l'esprit que j'ai bu pour la première fois de l'alcool quand j'avais une quinzaine. 13-14 ans, et c'est là où j'ai commencé à aller en boîte. Je suis allé en boîte très tôt. Ah ouais, d'accord. Et en fait, jusqu'à mes 30 ans, j'ai pas fait une seule soirée sobre. Pour moi, soirée égale alcool. Et plus si affinité, mais au moins alcool. Donc en fait, une soirée sobre, je savais pas ce que c'était. J'y suis allé pour la première fois. Ouais, donc, donc au début, j'étais là. Ok, cool, je fais quoi, mais non. Je regarde autour. C'est donc ça une soirée, tu sais, je comprenais pas. En plus, après, l'heure, elle commence à passer. Donc les gens, eux, ils commencent à être un peu bourrés. Donc t'es là, je vais te parler de quoi? Et là, tu vois la déchéance. Voilà. Donc toi, t'as pas vu. C'est là que tu vois autour de toi voilà. que... Voilà, donc en fait, ce qui fait qu'après, au bout de 2-3 soirées, je me suis carrément dit, bah tu sors plus, ça sert à rien en fait. Donc au début, je me suis tout simplement coupé. Et après, par la suite, j'ai recommencé à aller en soirée, mais c'était plus des soirées, soit par rapport à du taf, etc. Mais les trucs, boîte et compagnie, de toute façon, je pense que j'ai passé l'âge. Mais... Donc j'y suis pas, enfin, il n'y a pas d'âge, mais c'est plus mon centre d'intérêt. Donc même les soirées que je fais, c'est des soirées que tu peux faire. D'accord. Donc non, honnêtement, je pense que j'ai pas mal géré ça, puis j'ai fait en sorte de bien m'entourer. J'ai un peu changer mon cercle, j'ai gardé les personnes qui voulaient me voir avancer, tu vois. Par exemple, un truc qui est devenu pour moi un non négociable, c'est que si tu sais ce que j'ai traversé, que tu me proposes un verre, c'est que tu veux pas mon bien, tu sautes. Ouais, grave. Tu vois, et j'ai coupé des gens comme ça. Oh, si je sentais que, parce que après, il y a toujours le fait que. Mais ça va, un petit verre. Ouais, voilà, pour moi. Alors que non, ça peut être grave. Parce qu'en plus, il y a le fait que, voilà, quand tu vas être sous substance et tout, tu vas avoir une personnalité où tu vas sauter, crier. Donc les gens, ils aiment bien voir ça et ça leur manque. Donc ils vont se dire, j'aimerais bien, mine de rien, juste une soirée. Si tu sais par quoi je suis passé et ce que je suis en train d'essayer de faire et que tu me proposes quand même ce verre, c'est que t'as pas mon bien en tête et que tu préfères ton plaisir et ton amusement. Et du coup, j'ai fait un peu ce sort de nettoyage et ça m'a beaucoup aidé. Les gens que j'ai gardés, c'était des relations saines et des gens qui voulaient me voir avancer. Des gens qui, limite, eux, m'auraient fait la gueule si jamais j'avais une rechute. Et voilà, ton entourage, il est trop important. Ça. Ouais. Il faut que je l'ai compris trop tard, ça. Eh oui, les amis, entourez-vous bien. C'est que ce soit... amis, mais chérie, fiancé, c'est beaucoup aussi. Les gens que tu laisses rentrer dans ta vie. Ça peut te tirer vers le bas, mais tellement fort, surtout si t'as un petit manque affectif. Moi, je sais que je suis comme ça, je mise beaucoup sur mon entourage, j'ai beaucoup besoin d'être rassurée, tu vois. Donc, je sais que moi, tu peux me faire chuter au plus bas, tu vois. Voilà, quand on sait qu'on a cette petite fragilité, cette sensibilité-là, faut vraiment, vraiment encore plus se préserver. Bah écoute, merci beaucoup pour cette petite interview. Grand plaisir. Et à tout à l'heure, du coup, pour la suite du vlog. Voilà, à tout temps. Ouh, je viens de rentrer la team, il est 22h. Je viens de sortir Maïlé, le pauvre. Je suis toute seule à la maison parce que
Papa et Mimi sont à Paris. Bon, c'est bon, Mali, il a de l'eau, de la nourriture, tout est ok. Il vient de sortir, voilà. Trop cool. Donc, moi, je suis solo ce soir. Je suis en solo. Je sais pas. Moi, ça fait des années que ça m'est pas arrivé d'être en solo chez moi. Donc voilà, là ça va être démaquillage. Je vais me mettre en petite tenue cocooning. Et puis voilà, ça a été une grosse journée. Intense mais géniale, franchement. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe, les journées de tournage. Mais voilà, on part très tôt. On se lève à 5h, on rentre, il est 22h à la maison. Donc c'est du kiff, mais c'est aussi du taf. Et faut pas négliger, voilà, c'est beaucoup d'aller-retour, de choses comme ça. Mais bon, c'est vraiment du kiff.